Londres ancienne. Tous ces trésors. C'est pas une région comme les autres. Mais c'est ma maison. J'ai toujours vécu là. Je reste émerveillé par cette beauté. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas vu la situation que j'ai rêvée. Toi, vous ne comprenez pas. On ne les prenait pas au sérieux. Ils étaient différents. Religieux. Militants, c'est une putain de secte. L'effondrement approche, mes enfants. Ils ont commencé par acheter toute la ferme. Ensuite, la station de radio. Et puis très rapidement, ces connards de flics ont rejoint leur cause. Un véritable état religieux. Installé là. Sous notre nez. Personne ne viendra nous aider. Le gouvernement fera rien. Bordel, on est tout seul. Exige que nous sauvions ces âmes perdues, qu'elles le veuillent ou non. Les gens refusent de croire que ce genre de groupe existe. Les gens ont peur, putain. Certains s'en prendront à nous. Certains voudront détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Et d'autres nous trahiront. On ne sait pas de quoi il est capable. Qui ? Leur leader. Joseph. Il l'appelle le père. Et contrairement à nous, les gens ne voient rien. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Je leur ouvre les yeux. Thank you.
dans l'église. Suivez-moi. Ouvre l'œil. Ces gens s'énervent assez facilement. Hé, par ici. Reste cool, ok? Qu'est-ce qu'ils font là? Tu calmes. Que tout le monde reste calme. Continuez ce que vous faisiez. Ça vous concerne pas. Shérif, ça me plaît pas. Tout ira bien, Hudson. Tout va bien se passer. Nom de Dieu. Porter des insignes, non? Ouais, et ils respectent pas trop ça par ici. Ils vont respecter mon 9 mm. On résout pas tous les problèmes avec une balle, Marshall. Voilà, c'est... Ils sont là pour le père. Il faut qu'ils nous laissent tranquille. Le père va faire quelque chose. Marshall, si on fait ça, je veux que ce soit à ma manière, calmement, sans heurts. C'est compris? C'est compris. Hudson, à la porte, tu le couvres. Tu laisses entrer aucun de ces illuminés. Petit, avec moi. Et vous, Marshall, essayez simplement de pas faire de conneries. Du calme, shérif. Vous êtes sur le point de faire la une des journaux. Ça va aller. Quelque chose approche. Vous le sentez, n'est-ce pas? Nous nous rapprochons du précipice. Et il y aura des comptes à rendre. C'est pour ça que nous avons ce projet. Car nous savons ce qu'il va se passer. Ils viendront. Ils voudront nous priver de tout, de nos armes, de notre liberté, de notre foi. Mais nous ne les laisserons pas faire. Shérif, doucement. On y va, doucement. Terminez leur avarice. Fini leur immoralité. Ne laissons plus passer leur perversité. Shérif. Nous allons refuser de souffrir. Bon, ça suffit. Joseph Seed, j'ai un mandat d'arrêt fédéral contre vous. Vous êtes accusé d'enlèvement et de séquestration. Alors je vous ordonne de vous avancer les mains bien en évidence. Non. Les voici, les criquets dans notre jardin. Ils sont venus pour moi. Ils sont venus pour m'éloigner de vous. Ils sont venus pour détruire tout ce que nous avons construit. Attendez, laissez votre arme dans cet étui. Très bien. Reculez tous immédiatement. Reculez, ça suffit. Laissez vos armes. Que tout le monde reste calme. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Nous étions préparés. Allez. Allez. Dieu ne les laissera pas m'emmener. Je vis l'agneau ouvrir le premier sceau, et j'entendis, dans une voix semblable au tonnerre, l'une des quatre bêtes dire « Viens et vois ». Allez, on avance. Et je vis. Devant moi. Un cheval blanc. Et l'enfer derrière lui. Petit, passe les menottes à cet enfoiré. Dieu ne vous laissera pas faire. Allez, passe-lui les menottes. Parfois, la meilleure des options, c'est de faire demi-tour. Allons-y. Marshall, passez devant, on va à droite. Chut dessus. On vous laissera pas. Vous n'avez pas le droit. Reste sur la voie, petit. Reculez.
Dépêche-toi, allez. Je suis un marshal fédéral. Reculez. Je vous ordonne de reculer. Allez, rangez ça. Dégainez. On le met dans les livres. Reculez. Allez. Reculez. Bouge. Gardez-vous de là. Mais bouge ton cul. Centrale. Oh mon Dieu! Nous n'avons aucun problème. Pas besoin d'appeler qui que ce soit. Oui, père. J'ai foi en vous. Personne ne va venir te sauver. Dieu vous garde sous l'ombre de ses ailes protectrices. Tout se déroule selon les plans de notre Seigneur. Je suis toujours avec vous. Le premier sceau est brisé. L'effondrement a commencé. Et nous prendrons tout ce qu'il nous faut. Nous protégerons nos possessions. Et nous tuerons tous ceux qui s'opposeront à nous. Et ainsi... les messagers de l'Apocalypse verront la vérité. On s'en déchire. Que la récolte commence. On s'en déchire. Laissez-la. Seigneur Dieu, on arrive à se tirer d'ici. Il brûle. Divin et leur bénédiction. Comme le père l'avait dit. J'ai tout vu. Il a essayé de le tuer. Il voulait tuer le père.
Dieu l'a protégée comme il nous protégera, tant que nous faisons confiance au Père. Je ferai tout ce qu'il voudra. Comme nous tous. Je me demande si on pourra encore chasser une fois la récolte terminée. Désolé, j'ai cru qu'il... qu'il avait... Allez! Allez, fouille la pièce, vite! Oh, Seigneur! J'aurais jamais cru... On va foutre tous ces connards derrière les barreaux. Toute la famille. Putain, fanatique. On va sortir de ce merdier, petit. Pour commencer, il nous faut des armes. Tiens. Écoute-moi. Voilà ce qu'on va faire. Il y a une route dehors. On va la prendre. Et on va monter vers le nord-est. Dans quelques heures, on devrait avoir atteint Missoula. Ensuite... faut qu'on revienne ici, avec toute la garde nationale. Et on se débarrassera de ce qui reste... Ok. Chut. Les routes. Approche-toi.
qu'on quitte la route principale. Il y en a d'autres derrière. Il y a de la dynamite à l'arrière du camion. C'est le temps. Vite, explose tout. Essayez de m'enlever à vous, ont désormais rejoint les bras aimants de ma famille. Tous sauf un. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que les routes ont été barrées. Toutes les lignes téléphoniques coupées. Plus aucun signal ne peut entrer ou sortir de cette vallée. Mais ça veut surtout dire qu'on est dans la merde. Leur effondrement. Ils sont persuadés que maintenant c'est la fin du monde. Et ils attendent que ça. Depuis longtemps, ils attendent l'arrivée d'une espèce de messie qui réaliserait leur prophétie et viendrait lancer leur putain de guerre sainte. Mais c'est ce que t'as fait, officier. Franchement, si j'étais malin,
Je me contenterai de te livrer. Merde. Maintenant, enlève-moi cet uniforme, on va le brûler. Et puis là, t'as des vêtements. T'as plus qu'à te changer. Puis après, tu viens me voir. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer de régler ce merdier. C'est Dutch. Bien, t'as trouvé un truc à ta taille. Je me suis pas vraiment présenté. La plupart des gens m'appellent Dutch. J'essaie de comprendre ce qui se passe là-haut. Et c'est pas beau à voir. D'après ce que je comprends, tes collègues sont en vie. Pour l'instant. Mais on les a séparés. Chaque membre de la famille de Joseph en a un sous sa garde. Tu veux les retrouver? Moi aussi, on m'a pris des amis. Le problème, c'est que personne viendra t'aider. Personne sait ce qui se passe ici. Et l'info sortira pas avant qu'il soit trop tard. Il y a forcément des gens ici qui seraient prêts à riposter contre la secte. Il faut juste qu'on leur montre comment faire. On doit former une résistance. Alors le premier truc qu'on va faire, c'est reprendre le contrôle de cette île. Une fois un peu plus tranquille, on pourra mettre un plan sur pied. Il y a un flingue et une carte dans le coffre là-bas. Prends-les. Je te recontacte par radio dès que t'auras pris tes marques. Fais bien gaffe à toi, ça grouille de... Cinglé, ces connards sont prêts à mourir pour le psychopathe qui leur sert de chef. Sur cette île. Je regarde si je vois quelque chose d'utile. Pour le moment, va vers le sud et élimine tous les connards de la secte que tu vois. Et viens en aide aux habitants dans le besoin. D'accord? Terminé. On aurait dû la tuer. Pour que là, tu veux? Je demande pas d'être héros, mais merde, quoi! Merci, officier.
Ces cinglés de fanatiques sont en roue libre. Si vous voulez de quoi vous protéger, je crois qu'il y a une cache de survivalistes près du hangar. Il y aura sûrement des trucs sympas. Je devrais peut-être fixer un calibre 50 sur ma bagnole. Pas en la chance, mais putain, j'ai bien failli mourir. Salut mon pote. Je vous remercierai jamais assez. Dis-moi, Lance, je sais pas trop quoi faire. Les Sid n'ont aucun droit sur la propriété, puisque la station a été construite sur un terrain fédéral. Mais si leurs gars se baladent dans le coin et prennent des mesures, comme t'as dit... Je me disais, on pourrait peut-être accuser Eden's Gate de violation de propriété. Je sais qu'ils sont un peu bizarres et asociaux, mais à mon avis, un bon coup de gueule en les regardant droit dans les yeux, ça devrait les calmer. Franchement, on va pas se laisser impressionner par des grenouilles de bénitier, non? Toi, fais-moi sortir. Merci, officier. Je me battrai à tes côtés.
Alors, maintenant que t'as trouvé un équipier, vous devriez aller au poste de recherche de la forêt. La secte a envahi l'endroit, c'est là qu'elle stocke sa putain de grâce. Nettoyez-moi tout ça, comme ça, ils sauront qu'on n'est pas là pour déconner. Je bouge. T'arrêtes droit devant, baisse-toi. Je me déplace. Qui a fait ça? Je vais te trouver. Je vais récolter ton âme comme une pomme à l'automne. Hein? Non! J'y vais, couvre-moi! Tant que vous êtes là, faites un petit tour, il y a peut-être encore des gens en vie. Aidez-moi. Vraiment, merci. Eh ben merde alors, là je dois dire, je suis impressionné. Je croyais pas que t'aurais le cran de le faire. Peut-être que tu vas réussir à lancer la résistance, on sait jamais. Bon. Maintenant, il faut nettoyer le signal radio. Ma CB est foutue. Je capte rien du tout sur cette île. La tour radio près de la côte sud doit être endommagée. Tu veux bien t'en occuper pour moi? Les animaux ont foutu le camp depuis que les six ont débarqué. Merde! T'as touché le jackpot! C'est une cage de survivaliste. Si t'arrives à y entrer, tu devrais y trouver pas mal de trucs utiles qu'ils ont mis de côté. Allez, va jeter un œil!
Si tu veux faire une plus grosse impression, tu peux toujours fabriquer de la dynamite. La bonne nouvelle, c'est que les gens du coin ont stocké tout le matériel qu'il te faut. T'as juste à te servir. Et au boulot! Je sais ce que tu penses, et non. Je vais pas te faire escalader des tours dans toute la région, alors t'en fais pas. Essaie quand même de pas te casser la gueule. Le brouillard va vite se dissiper, on va pouvoir te faire quitter l'île. Accroche-toi, ça devrait pas être très long. Nous sommes des pêcheurs. Tous autant que nous sommes. Vous, moi. Même notre cher père en fait l'expérience. C'est un poison qui pollue l'esprit. Mais si je vous disais qu'une délivrance est possible, si je vous disais que tous vos rêves, même les plus fous, sont possibles, si je vous disais que toutes les épreuves peuvent être surmontées, si vous adhérez à une idée,
cette libération du péché peut venir grâce au pouvoir d'un mot. Yes! Oui, je suis un pécheur. Oui, j'aspire à la rédemption. Oui, je veux être purifié. Si vous me regardez, vous avez été choisi pour la purification. Confessez vos péchés et vous aurez le droit de les expier. N'ayez crainte. Vous n'aurez rien à faire du tout. Nous viendrons à vous. Bienvenue à Eden's Gate. Tiens ta coéquipière, Hudson. Elle est dans une merde noire. Il faut que tu te remues. Bon, j'ai indiqué trois endroits sur ta carte pour commencer. La Syrie, au nord, la prison de Hope County, à l'est, et la ville de Falls End, à l'ouest. Tu fais comme tu veux, mais à ta place, j'irai d'abord à Falls End. Qu'il doit effleurer les pieds du Seigneur. Ah ah putain, qui est-ce qui nous tire dessus? J'y vais vite fait! C'est ton âme.
la nourriture, le matériel, tout ce qu'ils trouvent, même les gens. John Seed les expulse de chez eux et les oblige à le rejoindre. S'ils refusent, eh ben, ça se passe mal. Là où ça chauffe le plus, c'est près de Fall's End. Donc j'irai là, à ta place. Combattre la secte quand ça a dégénéré. Il paraît que Merle est allé au camping de Silver Lake avec son pick-up. Il sait se défendre, mais j'ai peur qu'il se surestime un peu sur ce coup. Bordel ! À l'aide ! Quelqu'un ! Quelqu'un ! À l'aide ! Monsieur ? Monsieur, excusez-moi. Une fois qu'on a reçu une des vidéos de John, la série de tortures commence. Il trouve sa victime, la noie, la séquestre et la mutile. Continuez de résister comme ça. Thank you.